Bienvenue à ICI. Logique, on est sur ICI TV pour les printemps d'ICI. Et aujourd'hui, c'est Vabry. Attention, on est sur du vide-grenier de type méga balèze, le plus grand d'Île-de-France avec plus de 2000 stands. Ah, ça va chiner de tous les côtés. Et ben voilà. Déjà, est-ce qu'on passe une succulente journée? Au printemps d'ICI, toujours. Ça doit faire plus de 10 ans. C'est génial, c'est la première fois qu'on est là. Et honnêtement, c'est super. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ma sœur m'a vendu mon skateboard sans mon autorisation. C'était ton skateboard préféré? Bah oui, c'était mon skateboard préféré. 5 euros. 5 balles. Si vous avez un objet, genre la fin de la journée, vous êtes ultra contente de vous en être débarrassé, c'est quoi? Des petits cocotiers comme ça. Les cocotiers, comme tu les appelles. Et on est sur du cocotier. Vous verrez qu'une seule fois ça dans votre vie, hein. Oui, ça c'est sûr. The Magic Sand. Julien, il est dans une émission de téléachat. Alors, mais qu'est-ce que le Magic Sand? C'est du sable qu'on peut emmener chez soi. Qui a acheté ça? Pas moi. Le petit pendentif pizza. Fait par la fille, et tu t'en débarrasses. Oui. Combien pour ça? 50 centimes? Non, moins. 20 centimes? Et ça marche, hein? Ça marche! Je dirais 10 centimes par contre là, tu vois. C'est génial parce que vous êtes en train de faire les négociations entre vous. Sachant que j'étais le potentiel acheteur, j'ai même pas dit que c'était trop cher. Ça est descendu au fur et à mesure. 50-10 centimes, on te le donne. C'est aussi une journée sans voiture dans toute la ville où 6 petits trains font de joyeuses déambulations. Il y a aussi un village développement durable, des stands de maquillage pour enfants, un atelier BD, des fanfares, une mini-ferme, des balades en poney, le tout gratuit. Bref, un festival d'animation. On a fait des petites emplettes dont on est satisfaite alors? Bah pour l'instant oui, j'ai juste acheté une petite robe. À combien? 3 euros. Et le prix de base? 3 euros. Petit bilan comptable, on est comment? L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est les vacances aux Maldives, on le rappelle. Là on en est où? Non, alors je pense que ça va être plutôt Saint-Malo. Ah oui. Voilà, on va s'arrêter là. Vacances à Limoges. Hein, voilà, Limoges, et pas en train direct. Faut passer, changer à Montauban. Mohamed, t'as ramassé de la thune, là. Ah oui, oui, tu t'es fait combien? Tu t'es fait combien? Alors, je me suis fait 20 euros. T'as toutes les perspectives. Tu peux t'acheter l'album d'Aya Nakamura. Tu peux... Non, c'est... T'es sûr, il devait énorme. Qu'on ait acheté ou qu'on ait vendu, aujourd'hui, on aura surtout partagé. Et puis, re-rempli nos greniers de trucs inutiles. Qu'on revendra l'année prochaine, du coup. Donc, au printemps d'ICI 2020.